Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous parler de 5 huiles essentielles très efficaces pour la pousse des cheveux et je vais aussi vous montrer quelles sont les quantités à utiliser afin d'avoir un résultat significatif sur ses cheveux. Donc la première est l'huile essentielle de lavande vraie. Donc en 2016, une étude a été réalisée sur des souris femelles et après application de cette huile essentielle sur les poils de ces souris, on a observé une augmentation significative des follicules pileux. La deuxième est l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas qui permet de stimuler le follicule pileux en augmentant le flux sanguin vers le cuir chevelu. Donc ça permet en même temps de promouvoir la pousse du cheveu, mais aussi de ralentir la chute des cheveux. La troisième est l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, qui est une huile essentielle très 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 puissante. Je pense que c'est l'une des huiles les plus puissantes, en termes de pousse des cheveux. Et justement, elle coûte très cher cette huile-là, mais apparemment, elle est vraiment efficace. Moi, je commence à l'utiliser, donc je verrai les résultats. La quatrième huile est l'huile essentielle de romarin à verbenone, qui, de par l'augmentation du métabolisme cellulaire, permet justement de stimuler la pousse du cheveu. Mis à part ça, elle permet d'épaissir le cheveu, de lutter contre les pellicules, le cuir chevelu sec, la calvitie et les cheveux gris. Et enfin, la dernière, roulement de tambour et sans surprise, l'huile essentielle de menthe poivrée. Cette huile essentielle a des propriétés antiseptiques très puissantes et l'étude menée en 2014 sur des animaux, encore une fois de plus, a montré seulement en 4 semaines une pousse proéminente de poils. Donc maintenant, comment fabriquer son huile de croissance? Donc ici, on va utiliser l'huile de ricin qui est une huile assez épaisse qui promeut aussi la pousse. On va la mélanger avec une huile un peu plus légère qui est l'huile de pépin de raisin. Donc je vais utiliser 20 ml d'huile de ricin et 30 ml d'huile de pépin de raisin. Et je vais rajouter 3% de mes huiles essentielles. Donc 3% de 50 ml, ça fait 1,5 ml. Donc ça fait en tout 52 gouttes parce que 1 ml chez Aromazone, c'est 35 gouttes. Donc pour 50 ml, d'huile, vous devez mettre 52 gouttes d'huile essentielle. Donc à vous de mélanger comme vous voulez, de faire le mix que vous voulez. Vous pouvez mettre 5 huiles essentielles, 3 huiles, mais c'est toujours mieux de mettre plusieurs huiles parce que la synergie permet de décupler l'action de chaque huile essentielle. Donc maintenant on passe à l'application. Donc moi je l'ai confectionné mon huile depuis que j'ai mes tresses en fait. Donc c'est la troisième fois que j'applique cette huile. Je la mets deux fois par semaine, oui. Donc voilà, c'est facile avec l'embout applicateur. Ça sort goutte par goutte. Donc pas besoin de gaspiller puisque l'huile de croissance est assez puissante vu qu'elle a vraiment le nécessaire en huile essentielle pour justement agir sur la durée. Donc voilà, j'applique mon huile. Quand je finis d'appliquer un peu partout, je vais procéder au massage du crâne, du cuir chevelu. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Non, pas voilà. Je voulais dire que les huiles essentielles sont une aide à la pousse, tout comme les compléments alimentaires à l'alimentation. Donc, n'oubliez pas les règles essentielles, à savoir boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits et de légumes, faire une activité sportive régulière si possible. Et les huiles essentielles, c'est juste pour aider, pour voilà, c'est un bonus en fait. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura édifié. Donc moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!